Il est 7h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Permettez-moi de vous proposer au début de cette édition ce qui a été la rencontre entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Ces derniers porteurs d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La Côte d'Ivoire rassure de son soutien au peuple congolais face à la situation sécuritaire délicate dans la partie est de la RDC. En début, ce journal par ses commentaires. De Fanny Kikoufi. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bictogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes élus du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de Parlement francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. À la Cité de l'Union africaine, le garant de la nation a reçu le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de paix avec Jean-Pierre Lacroix. Il était question d'évoquer la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Regardez. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec M. le président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique, des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira
très prochainement. Allez, on change carrément de chapitre. Une cérémonie inaugurale de la peinture murale a rassemblé les artistes et leurs hauts représentants à l'Académie de Beaux-Arts. Mamita Bangoulou. L'Assemblée générale des Nations unies, réunie en 1999, a défini les valeurs nécessaires à une culture de paix. Dans une déclaration solennelle du 21 septembre de chaque année, les participants ont reconnu que ces valeurs incluent le respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation. L'Assemblée générale a, à travers les résolutions prises, reconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. C'est dans l'esprit des hommes que prennent naissance de guerre opposée à la paix. Cette notion a servi de base à la célébration de la Journée internationale de la paix que les Nations unies cherchent à cultiver dans l'esprit des enfants et des communautés, et cela grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La célébration de cette journée a été une occasion pour inviter des hommes à se débarrasser des armes et surtout à cultiver l'humanité qui existe dans chaque individu. Plus la désinformation d'une arme aujourd'hui qui tue les civils, qui tue aussi nos collègues. Et la meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive, avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire, à la fois un message de paix, un message sur le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. De son côté, l'artiste peintre démontre comment cet événement artistique doit symboliser la paix. Cette peinture murale que vous voyez dehors est tout simplement une peinture qui relate le fait autour de la désinformation. Et ça rejoint le thème de la UNESCO qui parle de la désinformation comme étant le fléau. Les participants à la cérémonie ont clôturé la journée par une photo des familles. Kinshasa caresse l'ambition de rénover le sous-commissariat et commissariat de la peinture. C'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur a remis le clé de ses bureaux rénovés dans le site pilote de la FUNA. Un programme qui va s'y poursuivre dans le province de la RDC. Bobo Mkondi. Les Soussiat et Lingesa Ngunza dans la commune de Ngiringiri, les Soussiat Mboli à Yolo dans la commune de Kalamu avant, et les revoici après. Tout relouqué, témoignage d'une vision rénovatrice des services de sécurité de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Après une longue série d'itinérances initiées dans le Soussiat et Siat, dans différentes parties de la capitale congolaise, quelques mois après, Jacquemain Chabani se relance sur le même dossier pour couper les rubans des bureaux qui ont subi une certaine restauration sous les ovations de la population riveraine. Ces programmes initiés par le patron de la sécurité nationale, Jacquemain Chabani, intégraient aussi une série de formations de remise à niveau des agents de la police afin de répondre aux impératifs sécuritaires de la ville de Kinshasa. Accompagné de son vice, Génie Tchela, Jacquemain Chabani a réexprimé l'engagement du gouvernement congolais dans la modernisation de la police nationale congolaise tout en la dotant des équipements et infrastructures conséquents. Il appartient maintenant à la police nationale congolaise d'en faire un usage responsable pendant l'exercice de leur mission, celle d'assurer la protection de la population et de leurs biens, a signifié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans un autre registre, le mouvement de grève dans le secteur de transport routier vient de trouver solution. Retombée de la rencontre entre le vice-premier ministre de transport et la délégation de l'intersyndicale de transporteurs de poids lourds. Les autres détails dans ces récits de Nicole Cessep. La situation qui prévaut actuellement dans le secteur des transporteurs routiers, situation caractérisée par le mouvement des revendications des travailleurs routiers, était au centre de la réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'intention de la délégation de l'intersyndicale des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur routier. Ces revendications ont immédiatement trouvé des solutions à l'issue de cette réunion. Le VPM a voulu, à son niveau,
nous donner des solutions en ce qui concerne son secteur, son ministère. Et il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Nous nous réjouissons de ça. Et nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Le comité des professionnels routiers est plus que rassurant sur la suspension du mouvement des grèves. En termes de ces échanges, je crois que le mouvement de ce matin va être levé. Il a défini un cadre dans lequel nous allons évoluer dorénavant. Il nous a déjà promis une réunion prochaine pour ce jeudi. Nous allons pouvoir échanger, je crois, pouvoir résoudre tous nos différends. En famille, on trouve toujours des solutions. Au-delà de nos frontières, Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie, représentant le chef de l'État à la conférence annuelle de l'Association nigérienne de banques, a mis en évidence le domaine de coopération possible entre Kinshasa et Abuja Rodépanda. Dans son grand oral, lors de sa participation à la 17e conférence de l'Association nigériane des banques et portant le message de Félix Tshisekedi au banquier nigérien, Daniel Moukoko Samba a insisté sur la nécessité d'accroître les liens de coopération économique entre le Nigeria et la RDC. Au-delà de sa participation à ce sommet des banquiers nigériens, Daniel Moukoko Samba a rencontré plusieurs personnalités influentes de l'économie nigériane et d'ailleurs, son premier tête-à-tête à Abuja, c'est avec son collègue nigérien du budget et de la planification économique. Avec au moins 5 banques privées nigérianes installées en RDC, le Nigeria reste un modèle africain qui a réussi son inclusion financière. Les premiers économistes congolais voudraient imprimer les mêmes méthodes nigérianes en RDC pour rendre l'économie congolaise efficace et compétitive. Le Nigeria a réalisé de très grands progrès, pas seulement dans le développement de son secteur financier, mais aussi dans les instruments mis en place dans ce pays pour financer les infrastructures. Et nous avons convenu de maintenir ce partenariat. Entre Kinshasa et Monrovia, il n'y a pas de barrières économiques. Le professeur Daniel Moukoko Samba, qui a échangé avec le vice-président du Liberia, venu représenter son président, Joseph Boakai, à ce sommet, a insisté sur le maintien des échanges économiques entre les deux pays africains. Nous pouvons trouver des arrangements qui nous permettent de financer des projets qui vont dans le sens de renforcer pas seulement la coopération économique, mais aussi les échanges entre les citoyens de nos deux pays. Il convient de rappeler qu'avec le leadership du président de la République Tshisekedi, la RDC et le Nigeria sont dans un programme conjoint de développement. Et puis cette bonne nouvelle, le chevalier de la plume du micro et de la caméra ont enfin leur congrès ouverture hier mardi au centre Nganda de Kinshasa du 10e congrès de l'UNPC, dit congrès de la Renaissance. Le go a été donné par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Congrès de la Renaissance, c'est la volonté de toute une corporation pour redorer l'image de la presse, aussi celle de l'Union nationale de la presse congolaise. Au centre Nganda, dans son mot, le ministre de la Communication et Médias a rappelé que ces jours marquent la refondation du secteur de médias en RDC. Une occasion pour lui de féliciter le président Félix Tshisekedi pour son engagement et accompagnement à la presse nationale. Le ministre de l'Écoute et de la Parole a par ailleurs invité le professionnel de médias à tenir compte dans leur réflexion du besoin de pays. Au sujet des élections des animateurs de l'Union nationale de la presse du Congo, Patrick Muyaya a invité à l'unité. Au cours des états généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des états généraux de la communication et des médias. Si le représentant de l'UNESCO a rappelé et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la liberté de la presse, le président AI de l'UNPC a quant à lui rappelé que ce congrès s'y tient 3 ans après
la somnolence de cette institution. Cette première journée a connu la présence du représentant du chef de l'État, de la représentante de la première ministre, du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, du ministre du Tourisme ainsi que de bailleurs de fonds du secteur, de médias notamment l'UNESCO et l'Internews. Autre grand titre de ce matin, Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, a reçu en audience hier mardi 17 septembre 2024 une délégation de l'association, de la société plutôt, Triomphe. Cette dernière venue faire le point et discuter sur certains problèmes qui traversent cette entreprise intervenant dans la production de engrais chimiques d'Itchala. Les entreprises à économie mixte peuvent toutes compter sur le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongboa, pour leur redressement. L'entreprise Triomphe, spécialisée dans la production des engrais chimiques, tient son assemblée générale de relance alors qu'il est sur le point d'obtenir un financement du fonds de promotion de l'industrie FPI. La délégation de Triomphe, qui a rencontré le ministre du Portefeuille, en sort satisfait. Nous avons parlé de l'augmentation de notre capital au niveau de Triomphe. Et deuxième point, nous avons parlé de la modification de nos statuts avec son excellence. Il a été réceptif, comme d'habitude, mais il est un homme beaucoup plus à l'écoute. Il veut à tout prix que les sociétés à économie mixte puissent vraiment vivre, puissent se relancer, puissent travailler pour participer à l'avancement économique du pays. Avec la revanche du sol sur le sous-sol, vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, Triomphe est un élément clé et sa relance tient à cœur le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongboa. Le gouvernement congolais veut renforcer le contrôle de marchandises qui entrent et sortent au niveau de postes frontaliers de l'UFO avec l'Angola. Un grand laboratoire sera construit en 2025 dans le but de réguler les importations et exportations. Eric Abamba nous en dit plus. Les barrières du poste frontalier de l'UFO étaient grandement ouvertes pour accueillir pour la toute première fois le ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku Kaunga est venu à ses postes frontaliers avec l'Angola pour annoncer des nouvelles mesures de lutte contre la fraude et aussi réguler les importations et exportations pour éviter l'entrée des produits toxiques sur les sols congolais. Avec tous les quatre services qui œuvrent dans cette frontière, dont l'Office congolais de contrôle, le numéro 1 du commerce extérieur a appelé au respect strict de mesures gouvernementales portant restriction de certains biens sur les sols congolais. Cette mesure, qui fait grincer les dents, vise à protéger tout d'abord les industries locales. Ma visite à l'UFO me donne un sentiment de satisfaction sur la qualité du travail qui est rendu ici. Me donne de l'espoir qu'il faut davantage que l'État s'investisse pour doter à ses services de la logistique nécessaire leur permettant de faire réellement le travail. Pour ce qui me concerne, j'ai annoncé la construction d'un laboratoire moderne ici à l'UFO pour permettre de certifier les produits qui entrent comme ceux qui sortent. J'ai noté les soucis qui animent les services ici, c'est de permettre à ce qu'on régule davantage les importations et les exportations pour qu'on s'assure qu'aucun produit toxique n'entre sur le territoire. Après l'UFU, le ministre du Commerce extérieur va poursuivre son itinérance dans toutes les frontières de la province du Congo central pour tenter de remettre de l'ordre dans ses différents postes frontaliers. Dans le secteur de pêche et élevage, le ministre de tutelle reste déterminé pour une alimentation bio et fraîche à la population congolaise. Il a visité une entreprise de la place spécialisée dans la production de tilapia, Rodépanda. Cap Congo, une société et une unité de production du poisson frais et bio. Première ferme à Kwakol, pilote créée en RDC depuis 2018. Cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Chimanga-Boana. Voir pour connaître, comprendre et bien mesurer la capacité de production, c'est cela. L'importance de cette visite d'inspection dans les installations de cette pisciculture qui assure la production et la vente de deux variétés de poissons, à savoir Ngolo Poisson Chat et le tilapia. L'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Chimanga confirment
sa volonté de concrétiser la vision et les désirs du président de la République qui tient à nourrir les Congolais avec du bio en vue de les mettre à l'abri des produits surgelés presque impropres à la consommation. Nous sommes venus pour encourager cette initiative, montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est derrière eux. Si nous avons des productions comme celle-ci, la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'État le veut et comme le veut Madame la Première ministre avec notre gouvernement. Donc nous sommes venus pour voir de visu ce qui se passe ici. Prochainement, nous irons en Bankana. Ça va nous aider à demander à la population de suivre cet exemple. Avec la surpêche, nos eaux sont en train de se vider. Et cette expérience est très importante. Nous devons la pratiquer. Pour rappel, cette visite de lundi 16 septembre 2024 à la société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre d'élevage et Ngolomoseka de Kasangoulou au Congo central. Prenons à présent ces images qui vous disent tout, oui, tout sur le lancement par le ministre de l'Industrie et PME d'un cadre de dialogue, Sidre Kenina. Sa dernière ronde qui l'a conduit au secrétariat général des PME lui a permis de prendre la mesure de la situation et réagir promptement. Les ministres de l'Industrie, Louis Watoum, œuvrent pour l'amélioration des conditions de travail. Des bus encore fonctionnels, mais qui par manque d'entretien reste immobile. Pour une réponse adéquate, les patrons de l'industrie a délégué son directeur de cabinet pour mettre fin à un handicap qui porte un coup dur au rendement du personnel. J'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alors il s'est debout tant bien que mal, et surtout lorsqu'on reproche les retards, on parle toujours des bus. Il n'y a pas de bus et puis le transport est très difficile. Et donc, Son Excellence a accordé une bonne oreille à cette doléance. C'est ainsi que vient de faire ce geste-là. Mais là, nous sommes vraiment très satisfaits puisqu'avec l'enveloppe qui est arrivée, on va réparer les deux bus qui sont là sur le site. L'amélioration des conditions de travail est un objectif en phase d'exécution qui s'aligne dans la philosophie du plan quinquennal du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons parler éducation à présent. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanqui, a visité une mutuelle de l'enseignement de l'EPST hier mardi. Objectif, c'est rendre compte du fonctionnement de cette structure qui vise à améliorer les conditions de vie des enseignants. Témoin de cette descente, Marthe Mangaza. En sa qualité d'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanqui promet un accompagnement ferme à la mutuelle des enseignants de l'EPSP qui éprouve quelques difficultés pour son fonctionnement. Claudie Balanqui l'a déclaré après une visite qu'il a effectuée à MSP où il a loué non seulement cette initiative qui rencontre la vision du chef de l'État, mais aussi le bien-être de l'enseignant. C'est une mutuelle qui est vraiment bien assise, que ce soit dans son organisation ou dans ses structures. Mais beaucoup plus important, cette mutuelle répond directement à la vision du chef de l'État sur la prise en charge de l'enseignement. Vous savez, le président de la République n'épargne aucun effort. Il a initié et mis en place la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, la mutuelle l'accompagne en prenant en charge les enseignants. Et j'encourage le président, l'honorable Guy Mafuta et madame la directrice générale et toute l'équipe de direction qui les accompagne vraiment à faire plus et à étendre la main mise de la mutualité auprès de tous les enseignants à travers toute la République. À signaler que cette mutuelle est déjà dans cette province de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanqui, s'est fait accompagner de l'honorable Guy Mafuta au cours de cette visite. Madame, messieurs, savez-vous que l'APCSC et l'ARAMPU jouent un rôle clé dans la passation de marché public et la conclusion de conventions de partenariat public-privé? Les animateurs de ces structures sous la tutelle de la primature ont discuté hier sur des questions de collaboration. Suivez. Deux accolades plutôt fraternelles entre le directeur général de l'APCSC et le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'autorité de régulation de marché public. La rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement de la collaboration entre l'autorité de régulation de marché public
et les autres organes étatiques de contrôle. Une séance de travail qui marque un moment important dans la construction de passerelles de collaboration entre ces deux structures placées sous la tutelle de la Première ministre, chef du gouvernement. Des structures qui jouent un rôle clé dans la passation de marchés publics et la conclusion de conventions de partenariat public-privé occasion pour maître Claude Kayembe Mbayi de rappeler les missions et attributions de l'ARMP dans le système de la commande publique en RDC. C'était une visite de courtoisie, présentation de civilité entre mandataires, mais aussi visite de travail. Nous sommes autorité de régulation de marché public. Nous devons nous assurer de toute une série de choses, entre autres l'existence des cellules de gestion des passations de marché public. C'est très important parce que c'est de là que partent toute la procédure de passation des marchés publics. Il a en outre réitéré l'ambition de la RDC de devenir un modèle sur l'échiquier international en matière de gestion de la commande publique, conformément aux directives du président de la République, chef de l'État et de la Première ministre, Judith Suminwa-Touluka. Autre chose, le ministre de la Formation professionnelle a sensibilisé le corps des inspecteurs de son ministère. Marc Ekila les a rappelés à l'ordre pour œuvrer au profit de l'initiative et menant au changement. Yvette Mankoutima. Le ministre de la Formation professionnelle tient à impulser un nouveau souffle dans son secteur. Maître Marc Ekila Likombo a réuni mardi 17 septembre 2024 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement l'inspecteur général et tous les inspecteurs généraux adjoints. L'objectif pour les ministres est de remettre de l'ordre dans un secteur qui soulève beaucoup de problèmes organisationnels. L'idée, c'est d'échanger sur les grandes réformes initiées par le ministre de la Formation professionnelle concernant le contrôle des viabilités des centres, la fermeture et les retraits des arrêtés des centres déclarés non viables, la restauration du corps des inspecteurs et bien d'autres. On a l'impression qu'il y a un soleil qui s'est levé. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir avec ce soleil. Maître Marc Ekila Likombo annonce le changement des statuts professionnels des agents du ministère qui passent du contractuel à l'agent des carrières, des services publics, mais aussi la restructuration du corps des inspecteurs afin de lui donner le voie de répondre aux attentes du ministère. Je nous invite à réfléchir ensemble pour donner à notre ministère ses lettres de noblesse. C'est notre ministère qui est à la base de la création des emplois et même du développement de notre pays. Le ministre de la Formation professionnelle qui a annoncé des mesures urgentes a également rappelé la nécessité de léguer à la RDC un ministère de formation professionnelle à la hauteur des attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De parti et formation politique avant de nous quitter, le sénateur Yvon Kazadi a mené une série d'activités à Kinshasa dans le but de recueillir le désirata de la population pour ses futures actions parlementaires à l'Ambikaï. La redevabilité oblige. Le sénateur Yvan Kazadi a mené plusieurs activités dans le cadre de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale de Kinshasa, comme aux États-Unis où il a participé à une conférence internationale. L'heure est à la restitution. Échanger tour à tour avec le bourgmestre et la population. J'ai noté en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées la nécessité d'appliquer la loi en ce qui concerne la rétrocession des recettes, les besoins en équipement de la police territoriale pour lutter contre la criminalité urbaine. D'autre part, la population réclame l'aménagement des rues, l'électricité et l'eau potable. Ce sont des besoins fondamentaux qui nécessite notre implication auprès du gouvernement pour une réponse appropriée. Dans la même optique, j'étais allé répondre à l'invitation de l'ONG African Coalition for Development qui m'avait été envoyée depuis le 4 août pour discuter autour du thème autonomiser les jeunes leaders africains, une voie vers le développement. De ces faits, l'élu des élus de Kinshasa a pris l'engagement de faire le suivi au niveau du Parlement pour des solutions idoines à tous ces problèmes posés par les Congolais.
Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. Merci aussi à Pechoum Benga, Mamita Mangoulou, Gabi Konga, et Zahilou Zembo et Alain Galia pour avoir réalisé cette édition. Je vous retrouve à 13h30 pour de nouveaux titres d'actualité. À très bientôt.